super content de vous retrouver encore dans une nouvelle vidéo. De quoi on va parler aujourd'hui? Première chose, les déclarations fiscales arrivent en France. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur les erreurs les plus fréquentes que j'ai vues sur les déclarations fiscales, puisque vous savez que c'est un peu compliqué avec des cases à remplir selon le statut fiscal que vous êtes, SCI, LMNP, etc. Donc je vous ai donné les erreurs les plus fréquentes que j'ai vues. Autre chose, aujourd'hui, je te retrouve encore dans une vidéo où je vais te présenter un bien. Tu sais que je vis actuellement sur Marrakech et je suis très content du fonctionnement des vidéos, vous kiffez. Donc j'essaie de vous présenter un panel de biens entre la villa, le riad en Médina, l'appartement duplex. J'essaie de vous présenter un peu tout ça. Comme tu le sais, j'ai ouvert mon agence. Pourquoi j'ai ouvert mon agence? Tout simplement, je suis en tant qu'entrepreneur. J'aime bien dès lors que je cherche quelque chose et que je ne trouve pas de solution. De ce que je ressentais dans vos commentaires, c'est que vous aviez tous besoin, vous avez déjà une grande passion, un grand amour pour ce pays qui est le Maroc, comme certains vont aimer Bali, Thaïlande ou autre, mais la proximité avec la France fait que vous avez beaucoup d'amour et le climat pour ce pays. Mais il vous manquait ce service, j'ai envie de vous dire, d'accompagnement sur du long terme, de ne pas vous retrouver tout seul. Et c'est ce qui m'est arrivé lorsque je suis venu. Et du coup, comme je n'ai pas trouvé ce service, eh bien, en tant qu'entrepreneur, je l'ai créé. C'est un peu comme quand je suis rentré, pour ceux les plus anciens qui se souviennent, quand je suis rentré sur YouTube, lorsque je vous ai fait, d'ailleurs, je vous apprends toujours à investir en immobilier en France et j'investis toujours en immobilier en France. Et pour ceux qui ont les formations, elles sont toujours mises à jour régulièrement. Ne vous inquiétez pas. Et il y aura d'autres vidéos en France. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que, voilà, chaque personne dans sa vie a des passages, des moments. Et en ce moment, je suis à fond sur ce nouveau projet. Mais c'est juste que pour te dire que quand je suis arrivé sur YouTube, mon but était de répondre à une demande, créer un service qui n'existait pas. C'est-à-dire que les JAD, 26 appartements en 6 mois au SMIG, bon bah ça on les voit plus. Les interviews BFM TV, Mytho, bientôt c'était au Sénat, à l'Assemblée nationale, ça on les voit plus. Montrer les titres de propriété, c'est une chose que quand même vous pouvez m'accorder, je pense. Je suis loin d'être le meilleur, mais je pense que j'ai apporté une nouvelle touche et un nouveau freestyle dans ce game. Et aujourd'hui, c'est un service que je veux apporter ici à Marrakech. Vous aider à vous expatrier, vous trouver un bien, rendre de votre expatriation la chose la plus belle ou l'une des plus belles choses que vous ayez fait dans votre vie. Et c'est pour ça que j'ai créé MC Agency et ce service pour vous accompagner pendant un an. Donc là, je vais rejoindre un collaborateur à moi que maintenant tu connais, qui passe souvent sur ma chaîne, Mohand. On le rejoint tout de suite. Allez, on y va les amis. Vous allez voir, aujourd'hui c'est un produit encore complètement différent. Je vous ai montré du riad dans la Médina, je vous ai montré de la villa de luxe. Là, c'est encore différent. On rejoint, vous le connaissez maintenant, Mohand. Salut les amis. Comment tu vas, Mohand? Salut Mehdi. Ça va? Tu vas bien? Très content de te retrouver aujourd'hui. Bah, bienvenue dans un nouveau produit. Allez, c'est ce que je leur disais à la communauté. Alors, très brièvement, quel est ce produit? Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on se trouve dans le quartier de Guéliz-Hivernage. Ouais, bon, un des meilleurs quartiers. Un très bon quartier, oui. Vraiment près de la Médina aussi, ouais. C'est important. Et c'est un produit Airbnb. La rentabilité est intéressante. Ouais. Et c'est un produit que, en tant que propriétaire, vous allez pouvoir aussi en profiter. Et bien sûr. Votre ville et venir passer vos bien vacances sûr. À Marrakech et l'exploiter quand vous n'êtes plus là. Eh bien, on te suit. C'est un duplex, il me semble. C'est un duplex, oui. À Z. Ouais, remis au goût du jour. Remis ouais. au goût du jour, c'est un. Ah, le lustre est très très sympa. C'est un produit qui est vendu meublé aussi. D'accord. À savoir pour les potentiels clients, le produit est vendu meublé. Ici à Marrakech, oui, les meubles, les canapés, toutes ces choses-là sont faites sur mesure en général. Donc oui, c'est un produit que vous allez pouvoir récupérer de cette manière-là. Donc en bas, c'est défini, bon, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire c'est un duplex. Vous avez une cuisine qui se trouve juste ici à gauche, une cuisine équipée. Mm-hmm. Le salon central. Ah, salle à manger. Là, c'est la partie salle à manger. On voit que ça fait longtemps que tu es parti de la France, toi. Hein. Et tu as le salon qui se trouve là-bas, qui est très cosy.
Et les grands volumes, l'avantage du duplex, c'est ces grands volumes. Les grandes hauteurs sous plafond. C'est ça. Aussi une très belle terrasse. Quand je te voyais partir à la terrasse. Oui, oui, oui. Vas-y. Ouais, c'est ça, parce que moi, c'est vrai que j'adore les espaces extérieurs. Bah, c'est très joliment décoré. Il y a une belle touche. Je veux dire, c'est un produit qui est attirant pour les clients qui viennent ici en vacances. Ils ont cette touche marocaine avec toutes ces lampadaires qui sont très jolies sur la avec terrasse. L'artisanat marocain. Le fameux bleu majorel. Enfin, il y a des rappels du Marrakech que tout le monde aime. Ouais, exactement, que de plus en plus de gens aiment et que ma mission est de vous faire aimer cette ville de plus en plus. Et on va tout faire pour vous faire aimer. Et c'est vrai que là, on retrouve une terrasse très jolie avec l'artisanat marocain, hein, tout ce qui est un peu osier et tout, et ce fameux bleu majorel. Il n'y a pas vraiment de vis-à-vis, tu as un espace ici aéré que tu peux profiter avec tes amis, jouer aux cartes sur la table extérieure, faire même un barbecue, il y en a un ici. Ouais. Et voilà, profiter de cet espace extérieur qui est sympa. Mais bien sûr, c'est un petit peu le produit en Airbnb qui cartonne, qui est très recherché. Emplacement, petite terrasse, grand volume. C'est-à-dire que souvent, ça peut être deux couples qui viennent, des amis entre eux, ils se divisent le prix à la nuitée. C'est les produits comme ça typiques qui ont une forte rentabilité sur Marrakech. Ouais. Tes clients enfin, sont vraiment ravis d'être vraiment dans le centre-ville. Là, on a le Carrefour Market qui se trouve juste à côté. On a le Carré Eden qui se trouve à proximité. De très bonnes boulangeries aussi. Oui, bien sûr. À proximité. On est dans la nouvelle ville de Marrakech. Oui, ouais, bien sûr. Entre l'hivernage et tout. Donc j'ai des clients à MC Agency. J'ai des familles qui vont chercher à être un peu excentrées de Marrakech. Ils vont louer une voiture et ils vont chercher un peu plus de tranquillité. J'ai des clients. La trentaine qui vont préférer être dans les endroits un peu plus centre-ville, un peu plus festif. J'ai de tout. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous offrir un panel de produits à vendre et de produits à louer un peu partout dans Marrakech. Donc là, on va continuer la visite. Allez, c'est parti. Donc, combien de chambres ? Donc, on a deux chambres. Exactement. On va l'avoir ici à Marrakech. Ils ont mixé un peu le moderne et encore le charme marocain. Et donc voilà, donc ici tu as une première chambre. Je te laisse nous faire la visite. Yep. Allez hop, c'est par ici. Donc voilà la première chambre avec une belle exposition et une très belle lumière. Des baies vitrées qui sont neuves en aluminium. La télévision et un très bon lit de 160. Le placard qui se trouve ici avec le petit coffre. Parce que c'est un produit qui est quand même exploité, comme je vous le disais, en Airbnb. Et vous avez tout ce qu'il faut. Donc, séchoir, toutes ces choses-là sont incluses ici dans les chambres. Donc, voici la deuxième chambre. Pareil, même configuration. La seule différence, c'est que vous avez des lit twins. C'est important d'avoir ce type de configuration dans les chambres. Surtout quand on fait du Airbnb, ça permet de varier les plaisirs. Donc, chambre parent, chambre enfant ou vice-versa, chambre parent et deux amis. Très belle couleur, c'est cosy, on se sent très bien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Enfin, est-ce que vous préférez la chambre bleue ou la chambre rose qu'on a vue auparavant ? Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour la bleue. Dites-nous en commentaire. D'ailleurs, je compte sur vous. Un max de commentaires, dites-nous. Et pourquoi je préfère la bleue ? C'est pas forcément parce que je suis un garçon, mais je sais pas, j'aime bien bleu majorel, ça me rappelle toujours le fait que je suis à Marrakech. Autre chose que je voulais vous préciser, je trouve que la disposition de cet appartement dans les chambres de couchage est parfaite. Mon retour d'expérience est que les gens cherchent souvent un lit 160 pour un couple et souvent deux lits séparés. Ça leur donne la possibilité de, si c'est un couple, de coller les matelas et si c'est deux enfants, d'avoir un lit séparé et si c'est deux amis, d'avoir un lit séparé. Donc pour moi, la disposition idéale, c'est ça. Un grand lit suite parentale et deux petits lits séparés qu'on puisse coller. Du coup, bah, suis-moi Mehdi, juste derrière, il y a la salle de bain qui est importante. Au même niveau que les chambres. Et elle est plutôt sympa. Enfin, il y a vraiment du goût ici. Ah ouais, les... c'est vraiment une très belle douche italienne. Ouais. Ouais, donc il y a deux douches, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais. Un évier. Un peu charlemagnesque ou napoléonesque, je ne sais pas si ça se dit. Ça doit être ça.
Ouais, et je trouve ça, franchement, je trouve ça très sympa. Mais le carrelage de la douche à l'italienne, c'est pas commun. Et donc, c'est une double douche à l'italienne. Et rappelons que tout ça reste dans le prix de vente de l'appartement. Tout le mobilier, sèche-serviette, etc., tout ça reste. Donc maintenant, on va redescendre au rez-de-chaussée. Par les chiffres, vous dire le prix de vente de ce duplex qui sera en vente chez MC Agency. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur cette vue et ces volumes magnifiques. Vous voyez, ces lustres magnifiques, ces hauteurs sous plafond, je dirais à vue d'œil, on doit bien avoir 6 mètres. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. À peu près, ouais, à vue d'œil. Rappelons qu'on est sur 168 mètres carrés habitables. C'est joli, c'est vraiment très très joli. Mais hein, c'est... On se sent bien, il y a les climatisations donc, dans toutes les chambres, aussi dans le salon, donc il ne faut pas s'inquiéter non plus l'été, parce que c'est vrai qu'à Marrakech… L'été, ouais, il fait très chaud, mais c'est ça que les gens viennent chercher. Impressionnante. Hein. Et oui, il y a tout le confort de votre appartement en France, vous allez le retrouver ici. Hein. Très très beau duplex. Et vous allez pouvoir le louer. Ouais, très très beau duplex avec de très beaux volumes, et c'est surtout que… hyper rentable et on va en discuter au rez-de-chaussée. On va s'installer tranquillement dans le salon et on va parler chiffres parce que mes abonnés, c'est ce qu'ils aiment. Pas de langue de bois, des chiffres et on va vous expliquer tout ça en bas les amis. Pour conclure cette vidéo, on va se retrouver ici dans le salon et on va parler chiffres. Rappelons que c'est un duplex de 168 mètres carrés habitable en plein centre-ville de Marrakech. Position numéro 1 pour l'exploitation Airbnb. Donne-nous prix de l'appartement, prix des nuitées, prix des charges de copropriété. Alors, prix de l'appartement, celui-ci est à 230 000 euros. 230 000 euros. Avec une toute petite marge de négociation. Mmh. Donc, faut pas hésiter. Si c'est un produit qui plaît, il faut absolument... absolument, bah, faire une offre. Ouais, parce que voilà, c'est un produit qui vient de rentrer sur le marché. En toute honnêteté, Marrakech va repartir très fort. Enfin, on sort du Covid. Au niveau des nuitées Airbnb. En termes d'exploitation, ici, on est à 90 euros en période basse jusqu'à 150 euros en période haute. Ce qu'on avait calculé, c'est qu'on était aux alentours, hein, pour vous donner une fourchette. Et ça, bien évidemment, si vous êtes intéressé, lorsque vous viendrez, vous aurez accès à tout ça. Une fourchette hors Covid, hein, en période normale, c'est-à-dire avant Covid et maintenant, comme ça va reprendre, et je suis persuadé que ça va reprendre encore plus fort, on était entre une moyenne entre 30 et 35 000 euros par an en brut, sans compter femmes de ménage, etc. L'avantage que vous avez avec MC Agency, l'agence que je suis en train de créer, c'est que eh bien, tous les biens que nous aurons à la gestion location, vous allez profiter de notre visibilité sur les réseaux, aussi bien que moi, mes collaborateurs, Mohand, profitez de notre visibilité sur Instagram qui est aujourd'hui de plus en plus grande et ça, je vous en remercie, c'est grâce à vous. Donc, c'est l'un des très gros avantages que vous avez dans mon agence MC Agency, c'est cette visibilité sur les réseaux, le fait qu'on va mettre vos biens en avant si vous nous le donnez en gestion locative. Lorsque vous achetez avec nous, moi ou un de mes collaborateurs, voilà, on est un petit cercle d'expatriés qui avons eu tous le même rêve à un moment, s'expatrier à Marrakech, donner l'envie aux gens de venir. Et voilà, confiez-nous la gestion de vos biens. Et si vous cherchez des biens, passez par nous. Notre priorité, faire de votre expatriation un rêve merveilleux. On dirait un truc de Jasmine d'Aladin, je viens de dire. Mais pourtant, c'est tellement vrai. Non, mais vraiment, c'est tellement vrai. J'aime tellement cette ville. J'aime tellement le climat ici, l'ambiance des gens, les rigolades, machin, que j'aurais envie que tout le monde vienne. Et je sais que... l'aventure peut tourner au cauchemar, Mohand, non, si on n'est pas bien pris en main. Il faut être bien entouré et voilà, y aller doucement. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai créé ce service, parce que j'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie qu'ils viennent et que ça se passe bien. Donc voilà, c'est un appartement au prix de 230 000 euros, un duplex légèrement négociable. Les charges de copropriété, elles sont de combien? On est à 6 600 dirhams à l'année. 6 600 dirhams, ce qui fait environ 600 euros avec le taux de change. Exactement, parce qu'on est dans une belle résidence. Hein, ici, ouais, très belle résidence. La résidence et résidence ici à Marrakech. Elle est très bien entretenue. Très bien entretenue. Et tu as aussi un parking. D'accord, donc rappelons qu'il y a un parking avec cette résidence qui n'est pas titré, donc l'appartement est titré. Le parking, c'est en jouissance. Mmh. Rappelons que ce qui est important, c'est que vous avez le droit de faire de l'exploitation Airbnb dans cette résidence. Il n'y a aucune contre-indication. Parfois, attention, certaines résidences, il peut y avoir des contre-indications, mais c'est assez rare. L'avantage aussi, c'est que vous êtes en rez-de-chaussée, ce qui veut dire que pour la location Airbnb, vous ne dérangez pas
les résidents de l'immeuble qui sont un peu notables, hein, avocats, médecins, puisque les gens sont au rez-de-chaussée et donc vous ne dérangez pas avec des bagages ou autres qui descendent, etc., même s'il y a un ascenseur. On va continuer à essayer de vous présenter des produits. Là, aujourd'hui, c'était un duplex. La dernière fois, c'était une villa luxueuse. On vous a présenté des riads dans la Médina. Voilà, on va essayer de vous offrir tout un panel de produits, un panel de services et surtout, surtout, un accompagnement pour que votre expatriation, et j'insiste, se passe du mieux possible. Parce que oui, vous me connaissez, je suis sans langue de bois. Effectivement, il y a eu des mésaventures. Il y a des gens qui sont venus ici avec beaucoup d'argent, qui sont repartis une main devant, une main derrière, excusez-moi pour l'expression, et des promoteurs qui ont fait faillite. Donc c'est pour ça que je m'entoure de promoteurs sérieux, vérifiés, de collaborateurs sérieux, des biens titrés qui existent vraiment. Et j'essaye vraiment de faire de votre projet d'expatriation, de votre rêve, de votre projet de vie, une réussite absolue et l'une des choses après la naissance de vos enfants, qui soit la plus belle chose qui vous soit arrivée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, peu importe, posez-les nous en commentaire. Nous serons ravis de vous accueillir à l'agence, soit Mohand, soit moi, soit mes autres collaborateurs que je vous ai présentés, mon frère, ma belle-sœur, Ishaq. Je vous mets tous les contacts, on est en famille. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Un like, abonnez-vous, un commentaire et j'espère que ça vous a plu. Mohand, on leur dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao les gars. Ciao la team. Bye. Ciao les gars, les femmes. Ciao. Ciao.